Le malin. Est-ce que tu fais le malin? Mes respects, maréchal, capitaine, soldat. Mes respects. Respect, même s'il n'est pas en charge. Au poche. Je préfère plutôt que mon adjutant me donne du crise en guerre, vu que je n'ai pas le très souvent là, mon maréchal. Vouloir, voilà. Voilà, mais on va bien récupérer mon équipement un jour, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, il va repasser en probation, lui. Non, je vais créer un grade pour lui. Pour As. Bah, tu pourras t'y mettre. Ah non, j'allais dire que peut-être toi, mais bon, non. Ça passe pas. T'as, t'as pas de répartie, tu dis tout comme moi. Ta gueule, PD. Ouais. Fanboy, va. Du coup, quand personne pour donner les clés en guerre pour poser mon équipement, s'il vous plaît. Quand tu sais ma bite. Mais t'as donné ses clés, vas-y, couillon. Mais non, on peut donner. Ah, si, en plus. Non. Vas-y, vérifie, si tu les as, tu te prends une balle. Et là, t'as plus d'équipement. Je ne les ai pas. Tu te fous de ma gueule, là. Non. Tu les as, je les ai donnés. Par le nom, en plus. Oui, je vais être pas à côté de toi, à ce moment-là. Redonnez-les-moi, s'il te plaît. Ah non, parce que mon entrepôt est pas assez bien pour toi. Bon, très bien. Jack? Ah, j'ai plus d'entrepôt ici, moi. Ah bon? Affirme. Mike. Je peux c'est con, le mien il est pas assez bien pour toi. Ah, et c'est si, con, ma maison moi elle est trop loin. Allez, salut. Ah non, le mien, tu l'aimes pas mon entrepôt, je peux te donner les clés. Tu me donnes tes clés? Ouais. Ah non, toi tu voles des trucs. Mais il est où ton entrepôt? Non, ce que je voulais, la fois tu me l'as donné. Mais enfin, je te l'ai donné, tu m'as pris un télémètre du stuff. Ah bon? Mais là j'ai plus de télémètre, regarde, voyons, c'est il y a longtemps. Oui, c'est pour ça que je te redonnerai plus jamais les clés de ma maison. Enfoiré. Il est où Ezra? T'as les clés maintenant, alors casse-toi. Mais il est où? Tu sais, c'est quand j'avais pas mes licences. Bah, il est où? Bah, regarde les clés, cherche. Très bien. Ils sont intelligents. Ah non, pas par là, du con. Fallait pas dire. 47 mètres, c'est des traits dehors. Hein. Test. Ensuite. Ensuite. Que c'est. Ça va, Jacques? Plus. Ouais, toi? Ça va. On va lui faire un carnet de singes à lui aussi. Attends, je vais en faire un, de toute façon, il est noir. Il veut la grande porte en plus, la petite porte est pas suffisante pour son gros cul. Reçu. Con. Pauvre tâche. Au con. Il est. Troll. Quoi? Troll. Bon, on voit ce que tu dis. Les petits bonhommes moches, les trolls. Ah ouais, c'est ça, ouais. Aspect maréchal. Aspect. Ils sont tellement pas les petits devoirs qu'ils ont des doutes. Ouais, je t'ai dit repos. Pardon, hein. On va boire un café. Allez, viens, on va au bar. Allez.
Repos. Adjudant. Respect, adjudant. Capitaine. Repos, garçon. Mais attends, tu vas aller me chercher un café. À qui là? Lui. Ouais, toi, ça dépend. Merci, okay. Les gars. Tout chaud. Oh, il est tout noir. Ouais, attends, il y a du blanc. Hein. On dirait qu'il sourit. Ah, bah, allez, bon, bon crash. Je ne sais pas. Ou pas, t'es viré. Hein. De toute façon, j'ai dit à Walsh, on le prend pas. J'ai refusé sa candidature. T'as bien raison. Et lui fait passer les tests quand même parce qu'il a un peu pitié. De toute façon, il est noir. Hein. C'est pour courage. C'est pas Walsh qui s'est passé. Salut. Oh. Fais pas le con, hein! Oui, t'inquiète pas. Ah, je parlais de ta voiture, pas avec l'avion! L'avion, je m'en fous. Comment ça se fait que la voiture elle fait. On ramène ton cul en jeu. Qu'est-ce que t'as vu? Bah, je sais pas, elle fume en fait. Lequel? Le Suburban. Non, hein, il est normal. Toi, qu'est-ce que je suis, mon gars? J'en sais rien. Et quand t'as rempli le livre de compte, t'as fumé en même temps ou quoi? Non, pourquoi? On dirait, hein. Non, mais c'est Théo qui chipote. Quoi? Ah bah je sais pas, il... Ah oui d'accord, il supprime les lignes qu'il y a, ok. Attends, parce que... Je vais vous prendre une... en... la photo, vous allez voir. Attends, ouais. Moi je peux aller voir le direct, ça va plus vite. Ouais, mais tu verras pas le direct de... Non, parce que moi je... enregistrerai pas. Ah voilà, s'il y a un truc qui va pas, je le démonte. Oh, recette DG PDG, c'est quoi ça, les gars là? De quoi? Sur le CNN. Ah, attends, je suis en train de regarder. C'était ok. Vous avez des belles affiches dans le canton de Sofia ou pas? Non. Okay. Bah, viens, je vais te montrer. Toi, PDG, c'est que t'as donné au PDG? D'accord. Roy, ta gueule, je parle. Je m'en fous des PD. Et toi, t'es homosexuel. Qu'est-ce que t'en penses? Soutenir les révolutionnaires, c'est soutenir vos meurtriers. Waouh, génial! C'est dans tout Sofia et Kavala. Intérêt, pas Magnange. C'est bon, je crois. Ah, attention, il y a un chiffre sauvage. C'est bon, ça passe, ça passe, ça... Et là, coup, il arrive, bam. Et puis dans Sofia, on se retrouve à poil. Salut. Ah là là. Pourquoi? Un mot de passe. Il y a pas de mot de passe, là. Quand mais t'as 10 respect. Normal, je suis en dessous de lui dans la hiérarchie. Ah ouais? Je te fais au-dessus, alors.
Ah parfait. Mettre sous-maréchal. Ah bah si tu veux, ça m'arrangerait. Pas le grade où tu me lècheras les couilles. Non. J'ai pas trop envie. Écuyer, je vais t'appeler. Apportez-moi ma monture. Respect maréchal. Respect. Respect commandant. Respect, ah, respect tout le monde. Oh. Par contre, je te rassure, hein, je ne suis jamais autorisé à prendre mon béret, mais je vois qu'ils prennent des libertés. Donc. Donne-moi le tien, Foxter. C'est marrant quand t'as encore perdu ton cache-œil, oui. Non, il est chez moi, ou dans ma poche. Attends, est-ce qu'il est dans ma poche? Ah oui. Il est là. Qu'est-ce que t'as à faire pour en avoir plein? Gros con. <ouais. rire> Bonjour, je voudrais revenir pourquoi bah, pour le cache-œil. Avoir des cache-œil, s'il vous plaît. Avoir des cache-œil. C'est vrai que ça serait drôle comme raison. Ah, sinon, quand tu fais une entreprise, tu glisses discrètement un cache-œil quelque part, et à chaque tempête, tu vas le ramasser. Con. Ok, con. Alexandre, dis-moi, c'est quoi ce cache-œil là? Rien. C'est un cache-œil. C'est un cache-œil, tu sais le plus normal. Et je sais pas ce que tu fais avec, bah, je cache mon œil. Parce que j'ai mal. C'est bon, JP, t'as compris le livre de compte? Ce qui est une recette, oui. Ce qui est une dépense? Oui, oui. Se faire expliquer un truc par un STMG quoi. Ah ta gueule! Doué en journal des comptes, hein, je connais pas tout ça. Hein. STMG que j'ai tout appris. LOL! Et quoi de prévu ce soir en fait? C'est touché la nuit en groupe. Ok. Moi j'ai un rendez-vous à 22h sur Kavala. J'ai un rendez-vous à 20h30 ici, moi. Avec qui? Un mec qui va ouvrir une entreprise de poissons fumés. Ce qui est bien, c'est qu'il sait même pas lui-même. Parfait. Ah bon? Ça parle pas à JP? Il dit que c'était un entrepreneur, hein, pas un mec insignifiant. Ah, ah ça va, bien. Merci, sympa. Allez. Changer pour me rabaisser, comme d'habitude. Bah bien sûr, comme d'habitude, qu'est-ce que tu crois? On rabaisse pas ce qui est déjà bas, hein. Oh mais bien sûr. Oh là là. Victime, hein. C'est sympa, hein. Pas très gentil tout ça les gars. C'était pas le but. Ah les gars, tout ça c'est pas vraiment sympathique, hein. C'est pas sympatoche les gars. Je dirais, je m'en bats les couilles. Toi tu vas parler sur un autre ton direct, hein. Je dirais, ok. Ok. M'en bats les couilles aussi. Allez. Appelle le LPA, il y a un gars qui a insulté le gouvernement. Waouh. Paye Alexandre Brandt. N900 pour Gendarmerie, ici Ludovic Green, demande autorisation de décoller depuis l'aéroport international. Kavala. Merci beaucoup. De rien, et par exemple, parle sur une courte PD. Gueule. Oh salope! T'es en GoPro, Jack? Bah, comme toujours. Ah, il doit être content. C'est tous des comptes, de toute façon. Ouais. Ils viennent tous de Belgique, à mon avis. Ouais, c'est tous des comptes belges. Allez, encore une fois. T'es belge? Bah oui, je suis belge. Ouais, malheureusement, il est belge, ouais. Il est de Rite, alors? Heureusement, je dirais, ouais. Ah, tout le monde est pas parfait, hein. Surtout un belge, hein. Pas fier d'être belge. Au fait, on peut m'expliquer. Je sais pas non. Si c'est remonté autre que par Ryan. C'est que si tu me fouilles, t'essayes de vérifier avec Antonio Laurent, la gendarmerie, mais m'enlever ma caméra, tu me voles ma patate que je m'étais gardée pour faire des frites. Vas-y, mets les mains sur la tête. Si tu m'enlèves ma caméra, tu verras. Fais-moi voir ça. Attends, attends, faut que je range l'arme. Attends, attends avant de faire ça. Bah non, il le fait. Essaye de l'enlever. Tu la... Voilà, et regarde. Potato.
Là. Pototo. Une pototo. Baleine pototo. Tu peux baisser les mains. Et JP, c'est pour toi, ça, les patates. Faut prévenir les hautes instances, c'est vrai. Oh. Déjà. Là, c'est fait, je crois. Oh. Rien ne l'a fait. Bonjour. 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 Parle. Allez, je dis bonjour. Voilà, bon. Bah, parle mieux. Ah. Parle meilleur, va. Bah. Ok, merde. Je vais rendez-vous. Allez, rentre. Allez. Avec quoi, Jack? Ouais. Mademoiselle Winchester de venir avec moi, mais bon. Alors qu'on sait problème de cerveau. Cool, re-army, ok. Attention Jack, on a tout entendu. Bon, attends pour moi. J'ai oublié de couper mon téléphone. Vas-y. C'est gentil. Alors, Ryan, je t'écoute. Dwayne. Alors, ouais, donc je viens par rapport à l'entreprise Poisson d'Altis. Oui. Alors, au départ, je devais m'installer sur Cavalet, mais après calcul, ça aurait pas été assez rentable. Déjà que la marge n'est pas énorme. Donc, j'ai plutôt décidé de m'installer sur Sofia. Affirmatif. Ok. Bah, la marge est pas énorme, ça va quand même, la marge est... elle est ah, grasse. Si je dois faire venir de Cavalade des avions et tout ça... Ah c'est sûr. Et ça va directement... diminuer. D'accord, du coup tu veux t'installer où? Alors j'aurais pensé, les locaux de la Starfish, ils sont toujours occupés? Non, ils sont inoccupés. Ah bah écoute, j'aurais pensé pourquoi pas me taper là-bas. En plus le mapping est déjà fait, ça ferait déjà moins d'argent à investir là-dedans pour moi, vu que j'ai pas un fonds d'investissement énorme. Ouais, mais la PRF, je vais voir avec lui. Ah. T'as entendu? Farah Smith. Ouais, je sais, quelqu'un qui t'a vu l'équipement. Ah, ok. Et donc, c'est mort ou c'est. Ou il faut juste racheter? Je m'en rappelle plus, j'ai Alzheimer. Faudrait voir avec la BRF, faut que tu prennes rendez-vous avec Lincoln Clay. D'accord. Pour voir combien il va la lâcher. Je sais pas. Voilà la différence entre combien tu payes si tu fais construire et combien tu payes si tu la rachètes quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et tu crois d'après toi ça devrait tourner autour de combien? Franchement j'en ai aucune idée, j'ai pas parlé prix pour l'instant avec lui. D'accord, donc monsieur Lincoln Clay. Lincoln Clay, ouais, directeur BRF. De suite. D'accord, et pour toi le projet de ça, ça te semble bon? Ouais, moi ça me va, une entreprise de poissons fumés qui s'installe, au contraire. Je pense que de toute façon tu vas travailler dans le poisson et acheter le sel. Oui, je vais vous acheter le sel à vous, j'en ai déjà parlé à Jean-Pierre Castro. D'accord, vous avez convenu d'un prix? Oui, 1700 unités. Ça me prend bon. Et c'est 89 euros au-dessus de la bourse maximum du sel, quoi, donc ça va. Ouais. Y'a que t'es pas perdant, quoi.
Ok, bah ça marche. Bah, pour moi, écoute, y a pas de souci. Essaye de faire un rendez-vous avec Lincoln Clay pour discuter de ça avec lui. Ouais, je dois. Et puis, bah, je pense qu'on peut se recontacter par mail pour parler de l'évolution du projet. D'accord. De toute façon, à partir du. Dans 7 jours, je crois, oui, dans 7 jours, c'est ça. C'est Jack qui prendra la relève. D'accord. Bah, j'en discuterai avec lui, c'est monsieur qui est en face de moi. Tout à fait. Jack O'Neill. Ok. J'arrive pas à voir le calendrier. Ouais, dans une petite huitaine. Ouais, c'est ça, dans 8 jours exactement. Il y a 31 prochain. Jours en janvier. Non, il y a que 30 jours. Non, 31. 31. Jours. 31 jours. Bah écoute, je vais envoyer un mail à monsieur Lincoln Clay. Du coup, c'est mieux de prendre rendez-vous directement avec lui ou c'est mieux de lui envoyer un mail constructif par rapport à ça? Pense à un mail constructif. D'accord. Ah, tu lui envoies un mail, puis tu verras combien il veut la vendre ou s'il n'y a pas moyen de la récupérer, quoi. Ouais, je vais en discuter avec lui. Et après, ben, je ferai en sorte. Et franchement, c'est bien positionné, d'après toi, Starfish. Ah, regarde la carte. Ah oui, elle est bien positionnée. Regarde la carte. T'es parfait pour pêcher, t'as un port. Donc t'as tout ce qu'il faut dans l'entreprise pour pêcher. Tu as le traitement de poisson fumé qui est juste à côté. Les gaz qui te livrent en 2 minutes le sel. Franchement, ça va. Hein. C'est vrai. Et le vendeur, il est vraiment pas loin non plus. Hein. Bah, c'est vrai. En plus, le sel à côté et tout, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est... Ouais. C'est très intéressant. Et Sophia, bonjour, appelé 742 pour ATR sur Sophia. Bon, bah je pense que j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Ouais, bah que j'y passe, t'en as d'autres. Moi, ton projet, je l'accepte, hein, y a pas de soucis, hein, bien au contraire. D'accord, ça fait plaisir. T'es tout seul ? Pardon ? Non, je suis avec Sébastien Fox et Lola Winchester, à mon avis. Ouais, mais ces deux personnes, est-ce qu'elles seront actives dans l'entreprise ? Sébastien, il est plus là car en fait il veut créer beaucoup d'entreprises et faire un grand truc. Et en gros, il met un PDG qui va devoir de s'occuper de tout. En fait, lui, il va juste prendre des parts dans l'entreprise et puis le mapping. Les architectes. D'accord. Et donc Lola travaillera avec toi? Ouais, en tant que gérante. Ok, bon bah ça va, au moins vous êtes deux pour travailler. Ouais. Ah bah écoute, moi c'est ok. Vous avec la BRF et puis tiens-moi au jus. Ok, bah je te remercie. Mais voilà. T'inquiète, ça va pas finir comme mid game. Ouais, tu me dois encore 500 000 euros. Ah, je t'avais rendu 2 millions. Tu t'en rappelles ça, pas des 2 millions? Tu m'avais donné 2 millions. Et 500 000 euros, tu me les avais pas rendus. Oui, c'était rendu dans le truc. Et je t'ai encore donné 4 millions en ton mariage, du coup. Alors, évite de trop me déduire. Ouais, moi je referai les comptes. Que ça a du bon de se marier, Jack, des fois. Ouais, j'avoue, j'ai beaucoup d'argent, je pense. Oh oui. Ah, moi tout seul, j'ai donné 4 millions. Genre, ouais. Moi, je vais faire un mariage game. Ok, du coup, on va finir le rendez-vous maintenant. Ok. Alors voilà, bah tu me tiens au jus avec la BRF et puis on avisera sur le projet, ce qu'on fait ou quoi. D'accord. Bah écoute, 3 minutes 40. Ouais, ce serait con qu'ils démolissent la... Ah ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est bon, j'ai regardé. Autorisé, comme d'habitude. Ah, tu ouais, pêches tout le vent. Ferme ta gueule, toi, PD. Laisse-moi travailler, connard. Pardon. Salope, ta gueule. Suce ma bite. Toi-même. T'as pas de répartie, salope. Ah, tes parents sont cousins. Ouf là là. Ta mère, c'est ma sœur. Ici, oh là 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 là. Il parle de son cerveau. Ou il pas à la radio, faut pas chercher à comprendre. Ouais, ok. Dès que je sors, tu prends une balle. Ouais. Je t'attends. J'ai la peau dure. Bah, plus maintenant. Ouais, ma femme, en bref. Voilà, bah écoute, t'as d'autres questions? Non. Eh bah, très bien alors. T'aimes les hommes? Allez.
D'accord. Y'a pas besoin de moi, pilote ? JB ? Oui. Besoin d'un pilote d'Alstarim ? Oui. Ouais, y'a pas de toi, pilote. Oui ! Eh ben, je t'en amène un. Très sous. Ah oui, non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ressembler à l'astronaute. Moi, ça fait JVN. Ah, c'est. Ouais, mais. Oui, il est quelle heure? Il est 7h du matin, on en compte pas. Ah, faut que je te sorte l'avion? Et éventuellement, vu que je suis que copilote et que j'ai pris la licence. Mais comment vous faites pour marcher aussi vite? C'est moi qui est gros ou? C'est toi qui est gros. D'accord. Regarde, je vais te montrer, j'ai un passe-partout comme les gendarmes pour les barrières. 4 000 $. Regarde bien la technique, hein. Merci. Respect dans l'échelle aussi. Non, là. Respect dans aussi. Ah, mais j'ai oublié. C'est qui on a du temps qui ont pour là. Ça c'est. Ça c'est Jack? Non, ça c'est pas Jack, c'est JP ça. Ça c'est Jack? Non, c'est pas Jack. Soldat, repos. Merci. Non, j'ai visé juste. Tu racontes toi? Il disait JP il est fou. Ouais c'est vrai. Ça me casse les couilles, j'arrive pas. Tu veux faire un cercle pourquoi? je suis autour du. À l'extérieur du cercle. J'arrive pas. Envoie-moi ton image là s'il te plaît. Envoie-moi ton truc là, je vais te le faire. Mais il veut faire quoi exactement sur son image? J'en sais rien, justement faut que je vois ce qu'il veut faire. Ici à Biski. Je reviens dans 2 minutes. Ah non, c'est dans le dôme. On a 5. 2, 3, 4. J'ai pas dit c'était quoi. Tu rappelleras bien au pilote qu'il oublie pas de faire son plan de vol et les 15 000, c'est moi qui les prends. C'est rien sous. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Le tour au cercle. Une sous-merde? Ouais. En gros, tu veux que ça soit transparent. Les gendarmeries, bonjour, AT-742 pointé sur les locaux, tête de les jambes en fait, sur l'aéroport international en M900. Ouais, tu veux dégager ces trucs là quoi. T'es vraiment une sourasse, tu sais pas faire ça. La sourasse. Mais je t'ai pas parlé à toi du con. Oui, mais je te réponds. Aidé. Putain, un connard. Bonjour, AT-742. Ah putain! Pour M200 pointé sur tu les casses les couilles quoi, la fronte! Fais les ceux qui parlent! Et la triture autorisée, je remercie. Ta gueule! Allez, c'est un coup! Regarde, c'est un coup comme toi, le gendarme! C'est un gendarme, je bute tes armes! Non, non, c'est pas pareil qui s'est plongé derrière. Ah, c'est lui? Ah non! Imagine qu'il tombe sur lui d'un coup sur la fronte. L'avion en roulage sur l'aéroport. Voilà, cette image. Oui, il s'est pas parlé. Parce que t'es con. Ouais, pourquoi tu dis qu'il s'est pas parlé? Parce que le mec il a dit le véhicule en roulage. Oh, mais ça veut dire quelque chose, mais c'est juste que comment il l'a dit, c'est marrant. C'est chelou, oui, mais en fait. C'est roulage, c'est ce qu'un avion fait, oui. Ah, un véhicule. Tu un avion. Ah, d'un avion ou d'un véhicule? Véhicule.
Ah, d'un véhicule, d'accord. Mais sur une piste, un avion, il fait un roulage. Ouais. Ah, monsieur, sur sa science, là, ferme ta gueule. Ta gueule, le STMG, ça te fait pas mal d'apprendre des trucs. Oh, PD, va te calmer. Hein. Débile. C'est quoi le débile ici? Non, on voit bien que t'es pas sur le sur l'île. Au ouais, perso, je tourne. Ouais, il est en train de se pencher en arrière en plus. Je sais, je le vois sur mon deuxième écran. Oh, il bouge tout seul en plus. Excusez-vous. Là où tu comprends qu'il est autiste. Là. Ferme ta gueule, toi. Eh, c'est pas très gentil de part de te pencher comme ça, tu vas te casser le dos. Je vais te casser autre chose, tu vas voir. Ah, moi c'est débile. Il fait un 360. Ah, tu tombes pas plutôt, garde à vous. Oh, ça fume le cigare en service. Ah, négatif, je vise à ma bouche. Ouais. Vous prenez pour Rambo, c'est ça? Négatif. Espèce de petit con. C'est gratuit, désolé. Comment? Quoi comme cigare? Je sais pas. Ah, vous achetez un cigare, vous savez pas ce que c'est? Non. Bah, donnez-le moi. Ouais. Et c'est pas la barque. Non. Attendez, je regarde. Il est con, c'est pas marqué dessus, hein. Je vois pas ce qu'il y a écrit sur mon cigare. Je sais pas lire en plus. Ouais, c'est un peu difficile de le voir quand, quand tu l'as dans la bouche. Hein. Ouf tâche. L900 pour Time. Oppo. Rendez-vous avocat que t'as après, Jack. Ouais, 22h, ouais. Ah bah on va. Pour pas y aller. Hein? Ah, c'est un gland lui. Second appel M900 pour Block Diamond. Ouais, mets-toi sur la 30 tout le temps, Mireille là. Ah, monsieur, t'as fait ça. Ah, oui, oui. Comment allez-vous? A chaque fois, tu te mets sur la 30 quand ils arrivent, les hélicos, trop de balles. Coup de balle. Ah, mais lui, il me fait rire. Le mec, les hélicos, il demande à atterrir chez lui, puis après, dès qu'il les voit arriver, il se met sur la 30. Identifiez-vous. À 22h, c'est ça ton rendez-vous? Affirmatif. Ah, je vais prendre l'autre crétin de Roy et puis on ira tous les trois. Ta gueule. Ok. Oh. Et moi, le malin maintenant, PD. Mais qu'est-ce que t'as? Moi aussi j'en ai un pistolet. C'est con, c'est qu'on se crève l'œil qu'on a pas tous les deux, c'est chiant. Hein. Attends, je vise dans l'œil que t'as. Moi je vise dans l'œil que t'as toi. Attends, je vise dans l'œil que t'as pas. Ah, tu fais pas ce réel, j'ai des lunettes, hein. Quoi? Ah merde. Au pire, je te mettrai deux balles. Quoi, en cas où je t'en mettrai une dans les testicules, comme ça t'auras plus de couilles. Ah, viens, on fait le jeu, on pointe l'adjudant. On voit lequel a les couilles de tirer à 3. Oh, j'ai les couilles, t'inquiète pas. Même problème, c'est pas mon problème, ça t'aille. Après, c'est le sien parce qu'il aura plus d'équipement à l'hôpital. Du coup, on a un secret. Quoi le secret? Quoi le secret? Nico, tiens, Foxter, c'est cadeau, c'est même recadré. Et Nico, je t'écoute. On a un problème avec Nico, on a cru plusieurs fois. Par contre, ça, je suis vraiment. Non, pour une fois, tu vois, je prends ta défense, Alexandre. C'est pas la faute à Alexandre si les poteaux se mettent devant lui. Ah ouais, mais c'est bien toi le tarp qui m'a craché mon hélico l'autre fois. Non, c'était le mien. Ah bah écoute, moi j'ai retrouvé mon hélico sans assurance. Ah bah c'était le mien, c'est con. Et c'est crash comment cet abruti? Poteau. J'ai un poteau, il a voulu passer sous les fils. Débile, c'est pas possible. Ah, si je pouvais tous vous taper en même temps. Oui, mais je pense qu'on serait pris un appui feu depuis longtemps si. Ah, c'est pour faire des choses marrantes. À la bonne vieille époque. J'aurais mis un appui feu en pleine mine de sel. Vous serez pris les déflagrations dans la gueule. Bah non, mec. T'aurais fait c'est sortir des papillons, quoi. C'est marrant, les papillons. C'est marrant. Ça, j'aurais mis quelques poules et quelques moutons. Et bah, comme ça, GP aurait été content. Tu voyais Roy qui était là dans Vegas, puis tu voyais des papillons qui apparaissaient autour de lui. Ouais, la gendarmerie, je reçois.
Et la dernière fois, Kevin, il s'est fait éjecter de l'île parce qu'il a fait, il a sorti quoi, un oiseau, je crois, une mouette ou je sais plus quoi. Ah oui, mais c'est normal ça, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'elles sont armées. Non, elles sont juste un lance-missile. D'accord. Non, plus sérieusement, c'est normal parce que ça, c'est une entité. Contre rien de gendarmerie pour aller pratiquer un. C'est bon, t'es content, Foxer? Autorisation de roulage sur objectif, ouais, jusqu'à piste 22L. Monde de roulage, il a dit. Oui, bah, ça se dit roulage, football. Oui, je sais. Ça se dit pour certains trucs. Pas pour tout. C'est quoi, tu vas me faire deux tours de Vegas, allez. Ah, si. Vegas extérieur. Suivant roulage jusqu'au terminal. Ça me fait rire à chaque fois, en plus, le con. Eh bah, t'en rajoutes un. Et ça aurait de cool, hein. Raconte qu'après il s'est prendre en otage comme un con. Bah tant pis, hein. Je vais apprendre à rigoler. Boxter ? Oui. Plus je rate ton image que t'as faite là, plus je me dis que c'est la police d'écriture pour les vieilles invitations d'anniversaire quand t'es petit. C'est ça. On va y aller, Ezra. T'es jaloux, Roy? Tu veux que j'accroche des ballons à ta porte? Même pas en rêve. Ouais, c'est. Aider. On a pas quelque chose à faire là, on s'emmerde un peu. Hein. Ouais, comment ça se fait que t'es pas habitué là? Vous êtes pas en train de faire du charbon là? Ah, tu vois, là, ça. Hein? Près de les revoir, mes sous. Je bosse pas là. Si tu reverras. Oh, tu m'as rien rendu. Tu les reverras quand ils ont rendu l'entrepôt. On est pas dans la merde. Ouais. Bah non, il est toujours pas passé. Ça va être long, 3 tours. Ah ouais, t'es où, Papito là? Bah j'arrive, hein. Ah, ça va être plus que ça, on s'en là. Des bah, je respecte sans Red Bull. Bref, ça va être long. Plus ça, tu vas être sans Red Bull. En courant, hein. Bah, j'ai du mal à trottiner. T'as qu'à boire de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté de l'eau. Ah, ça fait toujours rire le mot roulage. Ça commence à partir. C'est bien, les deux autres tours ils seront efficaces alors. Affirme. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on dit roulage. Ok, commande. Aïe putain! M900 pour tour de contrôle d'Atira, l'aéroport international. Contrôle à je vous reçois. Dans l'autorisation de décollage. Thomas Music Lover en direction du complexe Omaya. D'accord, c'est bien. Oui. Il n'y a pas grand monde hein, ce soir. Ouais. Le Kendry, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais hier. On le voit plus trop hein, comme avant. Ouais.
un roulage, ça fait pas un roulage. Moi, tu fais un roulage en avion. Finition du mot roulage. Roulage, ça serait pile de rissage avec un avion. Ah, ça fait rigoler. Oh là là. Et toi, Connor, roulage, ça te fait rire? De quoi? Un avion qui fait le roulage. Bah, moi je connais rotation, mais pas roulage. Fait rire le mot roulage? Bah non. Très bien. Ah, on peut faire des tests, donc c'est un peu embêtant. Donc si vous me voyez, ne faites pas chier s'il vous plaît, merci. Ah bah c'est Flavien Berthaud qui doit être avec Maddy Canelli. On n'est pas sur la piste, on est sur le terminal et c'est le seul endroit où il y a des taxiways. Donc vous allez laisser le travail tranquille, merci, c'est un aéroport public. Oh. Oh. En plus ça fait dans longue, oh là là. Pardon. On a ni décollé ni atterri, hein. Je rappelle. Non, non, on survole. Les gendarmes, ils savent pas ce que c'est qu'un taxiway. Ouais. On est sur le tarmac, mais on décolle pas, on part pas. Mais bon, tu pouvais savoir ça en cours, ça m'arrangerait des fois. Salut, William. On sortira la définition. Ouais. Il rigole, il s'en prend deux autres. Hein. Définition 2. Roulage, roulage. Oui. Non. Si. Elle arrive. La définition de roulage. Oh là, il sera une pièce d'atterrissage avec un avion terminé. Ah, il a rigolé, il rigole. Ah, t'as rigolé, hein. Rigolé, non rigolé. Thomas, mais alors, dis-moi la définition du mot roulage. Roulage. Il a reparti tout seul, il a rien dit. Définition du mot roulage, il a dit pas normalement. Après coup, alors, roulage, oui. Ah, je viens de voir sur le site du gouvernement, t'as commandé pour moi 3 M41 TAN et 2 Black. Oh, tu comptes tes commandes là? Non, je viens de voir sur mon téléphone. Fais donc le roulage le long de la piste. Oh, si. Il a rigolé encore. Rigole. Oh là là. Ah putain. Ah, c'était pas pour Bito. Ah non, vous avez pas le droit. Ah, c'est pas nous hein. Attends, moi j'entends notre message. Des cadeaux. Ah. Est-ce que j'ai déjà vu ce garçon? Je crois pas. Si si. Comment j'ai déjà vu? Ouais. Je vais pas. C'est tout pour lui, toi.
Hop, pas butant, on t'attend là. Ah, j'arrive. Ok. S'il a rien compris, tu sais, il dit ok. Bon, quelqu'un avec moi, fais-tu un roulage jusqu'à Sofia. Ouh, écoute, il arrive. Alors, Pablito, définition du mot roulage. Roulage, c'est une piste d'atterrissage avec un avion. Roulage, c'est quoi? Rouler sur une piste d'atterrissage avec un avion. D'accord, et comment ça s'appelle ça? Roulage. Redis-le voilà, en roulage vers Sofia. Allez, reviens. Non, c'est bon, il va pas, Jacques. Contrôle RM, gendarmerie, station, roulage, effectivement. Ah putain. Et du coup, je te disais, Foxstar. Ouais, j'ai rectifié tes commandes. Ouais. Ça va, merci. T'as bien couru? Ça va, calme. Ça fait du bien? Tu me fais tirer de pompe maintenant. Bien sûr. Et avec le sourire. Et là, Pablito, il est en train de se dire putain, j'en chie plus depuis que je suis accident, alors qu'avant, en soldat, on m'emmerdait moins. Ouais, mais bon, depuis qu'il a découvert le mot roulage. J'étais un soldat quand j'ai découvert. T'étais soldat et t'étais avec moi. Ouais. Et que c'est pas un cadeau. Non. Ça va. Ta gueule. Cool. Ça doit être dur de faire des pompes avec un scar dans la bouche quand même. Quand tu bouffes le sel. N'empêche pas, il a réussi son roulage à Molos. Ouais. Théo Miller, il est en roulage vers Vegas. Eh, tu sais pas compter, j'ai dit une série. Ah. J'ai compris des pompes, c'est tout. J'ai dit une série de pompes. Eh, t'es pas là pour faire ton sport du matin. Ouais, avec Pablito, ouais. Enfin, je vous fasse les 5 ou 6 km à pied là, en pampa. C'était 10 que tu nous as fait. Ouais, faudrait que je le refasse avant que tu reprennes. Si tu jamais tu reprends tes anciennes fonctions, soit tu vas te taper toutes les mètres. Ah, tu veux vraiment que j'y retourne dans les fonctions hein. C'est le point de départ, hop, fini. Ah, tu veux vraiment que j'y retourne dans les anciennes fonctions, toi hein. Toi aussi, t'as envie, je le sais, tu m'as dit tout à l'heure. C'est vrai que ça serait sympa. Je m'amuserais beaucoup plus. Il va des papillons. Toi que tu faisais partie des rares qui avaient le plus de droits. Maintenant tout le monde les a ce que j'avais. Hein. Ah bon. Avant c'était donné aux anciens je crois. Enfin, aux de quoi gens, ce que t'avais. Toi t'avais plus que les autres. Tu parles des éclairs etc. Ouais. Fallait juste le demander. Hey, d'accord, mais pourquoi tu les veux? Parce que... Pour rigoler. J'ai juste demandé. Oh, mais attends, ça, tout le monde les a maintenant. Bonsoir, ah ouais. Bonsoir, Glover. Ah ouais. Ouais. Ah, ça c'est... Allez, effectue ton roulage. Ah, pas plus tôt. Oui. Il a fait quoi là le il a fait quoi il a roulé. Là il a fait un roulé, c'est tout. Non. Si. Un roulage, dis-le. Un roulage. C'est toi quoi un roulage. Hein c'est quoi un roulage. Roulé sur un aéroport avec un avion. Ou encore. Rien du tout. Est-ce qu'il y a autre chose comme définition. Je note ton agenda pour demain, définition du mot roulage. Je note ça. Voilà. Et tu me notes ça. Et tu nous feras ce que c'est qu'un roulage. Et tu mettras ça sur notre bureau. D'accord. Comment bureau? Il y a pas de bureau lui. Ta gueule, c'est le tien le mien. Quoi? Mon bureau, c'est mon bureau. Non. Mon bureau, c'est mon bureau. Mon général. Qui est général ici? Je sais pas, je me sens pas concerné. Maréchal, autant pour moi. SP, repos, fais gaffe, y'en a un qui a fait 4 tours de Vegas. Hein. Ah. Ryan, il est pas sur l'île.
est pas là. Et moi je me la fous au cul mon... Non non non. Et tu salues pas les adjudants, tu salues pas tes collègues, tu salues pas... Si, j'attends, mais attendez. C'est juste que j'ai un petit message à écrire à Francis. Ah, on dirait que les messages sont plus importants que saluer ses supérieurs. Merci pour moi, capitaine. Tour de roulage autour de la base, moi je dis. Ah, ça te fait rire. Non, non, mais j'ai jamais rigolé, mon capitaine. Respect, mon commandant. Respect, soldat. Popo. Respect, adjudant. Respect, soldat. Popo. Mais respect, soldat. Contre un agent d'armement, gros choix, quelle est votre demande ? Non, Pablito, tu le salues pas ? Non, mais je sais pas, on dirait qu'il est pas là. Ah si, il est là. Il est là, c'est un peu bête. Mais respect, mon adjudant. Un roulage dans sa tête. Réserviste. Repos. Contrôle aérien de Dragon 02 Sécurité Civile, transportant une victime au service de la rentrons dans l'espace aérien avec ses priorités terminées. Y'a pas quelqu'un qui a quelque chose à faire là, on s'emmerde un peu. Fermez ta gueule, ça serait bien. Moi pas avant 22h. On va se calmer, ok ? C'est Cobliot. Là, toi. On a juste oublié d'aller sécuriser le traitement de JP, hein. Ah bon, on va y aller, on peut sur les palettes. Ah, je c'est vous là, putain, t'es grosse, Roy. Vas-y, moi, c'est ton ah, véhicule. Y'a quelqu'un à l'entrée. Ouais, je suis bizarrement assis là. Il est pas avec nous, Roy. Non, mais je suis pas sur la radio. Dommage.
Bon bah finalement il retourne à Vegas là. Il a fait, enfin, on garde à vous là. Parce que bah on l'aura pas du repos encore. Ah, viens voir. Ouais. Bien respect, lieutenant. Bien respect. Ça te fait rire. Alors, lieutenant Kendry. Oui. C'est vrai que le mot roulage fasse très rire notre cher adjudant. Ouais, je sais. J'ai vu ça, j'étais sur la. Avant de venir là, j'étais en file d'attente et je regardais sur mon smartphone, j'étais sur la GoPro de Jack. Ouais. J'ai vu ce qui s'est passé. Donc, ouais. Bah, c'est. Je pense que c'est rentré dans sa tête là, non? Il y a tous nos hommes qui sont du mot roulage. Un rouler avec un avion sur une piste d'atterrissage. Et hein, il y a encore un petit peu de hein, la voix tremblante. T'entends un peu derrière, ça commence à partir il est pas sûr. Vrai, j'en ai pas d'autre. Vas-y, tu sais quoi la définition de roulage? Tu vas me la répéter 4 fois de suite, je t'écoute. Oh putain. Allez, je regarde. Rouler avec un avion sur une piste d'atterrissage. Rouler avec un avion. Ah, ça rigole encore, hein. Tu vas aller courir, hein, tu vois. Ça... Pendant longtemps. Maintenant, on fait quoi là? Ah, mais moi je veux pas qu'il court autour, mais je veux bien qu'il fasse mon petit exercice de d'habitude là. C'est ce que c'est, je pense. Ouais, allez, tu vas aller avec le lieutenant Kendry, il va s'occuper de toi. Allez, viens mon coco, viens. Ah, on va pas gérer ça. Ah bah tu me prends le réserviste aussi, tiens, ça va l'occuper. Allez, repos. Allez les filles, venez. On va rigoler un peu. Et le soldat aussi, allez au connard. Je le connais, moi. Ah, c'est cadeau. Non, ta. On va corser un peu les... C'est le Mexicain à Vegas, lui. Il est mal barré, hein. Ah non, il y a son frère aussi. Ah, il est pas mexicain, son frère. Ils sont pas la même famille, ça se voit. Gustavo est pas frère de Duc. Des adoptés. Adoptés, comme toi. Lol. Lol, bonne blague. Drôle, ça se marie sur le plus moche. Oh con, t'es ta gueule.
Avec ta mère, c'était frère et soeur de toute façon. Putain, ça attaque sur la famille directement. Allo Armstrong, ban. Il s'est piqué quoi les ban? Ah, tant pis. Si je faisais vraiment ça dans ma file, clique cela. Piqué, piqué, collé, ban. Ah bah c'est lui. Allez. Je lance mon dé, un jour. Ah, décassé. Ça tombe sur un certain Mika. T'as réussi? Oui. Ah, tant mieux. Je fais dans l'ordre de l'ordre des noms, t'inquiète pas. Attends, je vais le faire aussi. Alors. Amstram, ban. Les grammes, bourré, bourré, ratatam, tu es ban. Merde, un prêt, c'était sur toi, Alexandre Sat. Allez, putain. Allez. Méfie-toi, pas plutôt, parce que je vais te demander de rester à déficient du mot roulage plusieurs fois. Hein. Quand tu t'y attendras le moins. Quand ils feront ça avant de service. Il sera intelligent de refaire la barrière. Ah, faut pas trop en demander non plus. Ah, t'as vu par là où ils sont passés, c'est là où je passe avec ma golf. On s'en fout. Ouais, mais je m'en fous parce que je m'en fous de ton avis, PD. Ouais, mais je m'en fous parce que je m'en fous encore plus. Brass. PD. T'es vraiment moche de près. T'as une gueule que toi. Ta gueule. Ah oui, c'est la tienne, connard. Allez, on va faire du poisson fumé. Allez, on revient dans deux heures. Et quoi comme voiture déjà? On avait une voiture de merde en tout cas. Oui. Une voiture qui ah bah oui. Voilà, ils ont sorti Vegas. La SUV Vegas. Ah oui, le SUV Vegas, ouais. Alors, tu étais venu voir, tu me fais. Eh, il y a des SUV, des Yon Sport Vegas. Eh, hey, je l'ai encore le SUV Vegas, tu sais. Bah ouais, mais t'as les anciennes peintures. Je m'en fous. Enfin, t'as plus les anciennes peintures. Attends, je vais voir ça, je reviens. Encore l'ancien pick-up Vegas SQ, il avait de la gueule, mais putain, la Lion et le SUV, c'était vraiment dégueulasse. Ça c'est Vegas Entreprise. Ouais. En roulage, roulage, roulage. C'est quoi leur exercice là qu'ils doivent faire? Bah, ils font un peu le tour de Vegas en fait. Ils font trois fois le tour là-bas, enfin des conneries quoi, c'est histoire de les occuper un peu. Bah regarde. Le duc, viens boire. Merci. Jack. Allez, tu vas me dire quatre fois roulage C et ah, dans ton carnet rouge derrière. De quoi? Ah, dans ton petit carnet rouge au moins. T'écoutes? Bah pour le moment non. Ah ça va là. Roulage c'est rouler avec un avion. Sur une piste d'atterrissage. Roulage, c'est rouler avec un avion. Qu'est-ce que tu fais avec ma peinture du cabinet O'Neill, toi? Sur une piste d'atterrissage. Roulage, c'est rouler avec un avion sur une piste d'atterrissage. Ah, c'était trop vite, non? C'est trop vite. Prends ton temps pour parler. Ah, c'est moi, j'ai dit 4 fois. Allez, recommence, là, prends ton temps. Roulage, c'est rouler avec un avion sur une piste d'atterrissage. Roulage, c'est rouler avec un avion sur une piste d'atterrissage. Roulage. C'est rouler avec un avion sur une piste d'atterrissage. Roulage. Encore, s'il te plaît, j'ai pas entendu. Ah bah allez. C'est pas long. Pas. Merci, c'est gentil. Cette voiture là. SUV Vegas Entreprise. Bleu comme ça? Ah, c'est ça, c'est l'entreprise. Ah d'accord. Non, j'ai la sécurité aussi. En fait, on a trois peintures. On a entreprise, motors et sécu. Oh, ah d'accord. Ah, c'est que c'est noir, entreprise. C'est bleu, c'est ça? Ouais. Moteur, c'est quoi? Moteur, c'est plein de taches de peinture, du blanc, ouais. Ah, d'accord. C'est ça.
Eh le duc, tu crois que je te vois pas marcher là dans le bâtiment? T'es bête, je suis en continent, oui, en roulage. Ah merde! Ah, ça les fait se dépenser un peu. Ah bah ouais, hein. Il faut dépenser là, ils vont gerber dans pas longtemps. Faire du sport avec un cigare, c'est pas terrible. On dirait une tondeuse. Je change de voiture comme des chemises. Ouais, enfin bon. C'est un très beau bruit cette voiture. Il changeait un peu, ça serait plutôt pas mal. Et gueule, connard. Comme un dingue. Je vais faire une petite patrouille, on va aller voir JP, non? C'est pas mal. C'est quoi, il est au traitement de sel là? Affirmatif. Ouais. Bon, on va faire une petite patrouille. Prendre les 3 cocos là avec moi. Allez, moi aussi, il y a dans le suburban. Ah, mais il y a déjà une patrouille de fête, d'accord. Oh ça. Ça me plaît ça. Qui a fait cette patrouille? Foxer, je pense. Il suffit de regarder dessus, c'est marqué. Pabito. Ah, c'est pas Pabito qui l'a fait. Allez les trois sportifs là, venez là, mettez-vous en rang, garde à vous. Tous virés. Ah, ça vous a fait du bien. Très belle la ligne, y'en a qui est pas bien mis. Ouais. C'est pas Blito comme d'hab. Non, c'était pas Blito, c'était pas toi, ah. Miller. Connor, Miller, repos, faut évacuer. Alors, elle doit manger un coup. Définition, la roulage, 5 fois s'il te plaît. Roulage, rouler avec un avion sur une piste d'atterrissage. Roulage. Attends, s'il te plaît, j'ai pas entendu. Roulage, rouler avec un avion. Attends, un peu plus fort par contre, s'il te plaît. Roulage, il est vieux. Bon, oh, oh. pas me gueuler dans le noir, s'il te plaît. C'est vieux le capitaine. Allez, on t'écoute. Roulage, roulage avec un avion sur une piste d'atterrissage. Roulage, roulage avec un avion sur une piste d'atterrissage. Roulage, roulage avec un avion sur une piste d'atterrissage. Qu'est-ce que tu effectues sur une piste d'atterrissage? Roulage avec un avion. C'est quoi un roulage? Rouler avec un avion sur une piste d'atterrissage. Voler sur un avion avec une piste d'atterrissage? J'ai pas entendu ça, moi. Rouler. Répète-le encore, il y a le temps qui a pas vraiment entendu au fond. Roulage. Ah! Il est pas bien là! C'est derrière là! Oh! J'ai pleuré ton autre là, ça va chier ça! Ça va pas être bien ça! Voilà! Moi aussi je suis en train de pleurer! Merde! Ouais, je suis d'accord, il restera, ouais. Qu'est-ce qu'on fait de toi du coup, Pabito? C'est bon. On le vire. Tu penses? Ouais. Attends, on va faire un vote. Là. Ouais, qui veut que Pabito fasse un roulage jusqu'à la porte de Vegas? Lève la main. Je m'abstiens. Dans la liste? Attends, je ne le vote pas. Peut-être chiant. Lieutenant?
Ah ouais, moi je veux bien qu'il dégage. Ok, ton vote compte double. Toaster. Allez, ça vire. Ton vote compte triple. Attention, j'ai mon carnet rouge, moi je le garde. Ton vote compte 1,5. Voilà. Donc, tous ceux qui ont dit qu'on vire pas Blito, dans mon petit carnet rouge, on ne peut pas faire confiance à ses collègues. Donc, Foxter. Je crois que de toute façon, j'ai déjà deux pages rouges. Kendry. Ouais, bah toi, c'est vrai que t'es noté plein de fois là. Roulage, je t'écoute. Là, je roulais avec un avion. Moi, j'ai pas de pages, j'ai aussi un bon. Roulage, je t'écoute. Rouler avec un avion, ce serait une piste d'atterrissage. Vas-y, répète le mot roulage 10 fois. Roulage, 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 roulage. Répète-le pour le temps, s'il te plaît. J'ai l'impression que tu parlais un peu arabe là. Parle correctement. Voilà. Roulage. Exprime-toi bien. Roulage. Roux. Roule bien la langue. Roule bien la langue quand tu parles. Fais bien le roux. Roulage. Roulage. Comment qu'ils sont chiants, punaise. Roulage avec un avion sur un petit atterrissage. Oh là là. Comment ça? Du roulage. Eh hey, putain, eh hey, Pablito, félicitations, moi j'aurais déjà démissionné. Hein. C'est moi l'alphabet, s'il te plaît. Ah, c'est un bon adjudant. Vas-y, épelle le mot roulage. Épelle le mot roulage. Oh. En Jack, t'aurais pas démissionné, t'aurais dit aller vous faire foutre, ouais. Roulage. Roulage. Très bien. Bonjour en espagnol. Je crois que je l'aurais fait à la SEM. Lâche-moi les couilles. Tu m'étonnes. Y'a Arpeten. Ah bah c'est bien beau tout ça. Ouais. Et là on est en train de faire les cons et tout d'un coup on va avoir un message de JP. Help! T'inquiète pas, on comptera sur Pablito pour faire un roulage sur JP. Non, JP va nous envoyer un message. Il y a les rebelles qui me roulent dessus. Après, il bute JP et pilote, c'est pas grave. S'il perd mon 630, c'est un peu plus problématique. Allez, bord de l'eau. Non. Ça dépend. Je vais mourir. Ah, tu veux faire un roulage jusqu'à la buvette? Affirmatif. Allez, vas-y, fais ton roulage. En avion? T'as compris la définition. Allez, lieutenant Kendry, viens me voir. Là, tu vas me le dresser un peu celui-là. Ah, ça va, il est déjà bien dressé, hein, je trouve. Ouais, tu vas me le mettre dans le pas là. Franchement, il est. C'est un bon petit lapin celui-là. Ouais, tu l'as bien travaillé. Non, il est bien. Tu as travaillé au corps. Il est très bien ce garçon. Ouais, t'es très bien. Il en faisait des conneries. Hein, t'es très bien comme garçon, toi? C'est que je sais pas, ça vous dit, hein. Je te regarde vraiment une tête de con, par contre. Hein. C'est vrai que t'as une tête de con, quand même. C'est un bon garçon, mais c'est aussi un bon con. Comme toi. Ton béril est de travers, par contre. Mets le droit, s'il te plaît. C'est peut-être ta tête est de travers, hein. Ah, c'est bon, c'est bien. Parfait. Bien ce petit adjudant. Attends, fais voir ton uniforme. Des travers. Attends, tu l'as repassé avant de venir? Affirmatif. C'est quoi là tout ce qui est frippé là, je le vois là? Ah ouais. Regarde-moi ça là, c'est pas sérieux hein. C'est pas repassé ça. Dis donc, tu m'as demandé de t'acheter une arme cet après-midi toi. Ah, je t'ai posé une question, c'est pas toi qui m'as demandé de t'acheter une arme de poing? Ah non, négatif. M100, gendarmerie, demande autorisation de décoller depuis l'héliport de Cavada. Que a-t-il, Doc? Non, rien. Venez voir ce que vous faisiez. MNR, mais faut que j'aille demander un masque à JP, vu que, en fait, bah, j'ai oublié le mien chez lui, mon masque à gaz. Moi, faut que j'ai vidé toutes mes lacrymos hier, faut que j'en récupère. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Et on est venu en aide à la gendarmerie. Ok. Du coup, 3 gendarmes sont tombés, aucun Vega s'est tombé. Oh, le sabbat est sorti. Pourquoi je prends une pause? Parce que je dois vraiment aller boire de l'eau, je crois. Ça va. Bah, va boire, vas-y, fonce, garçon. Hop, on veut parler plus tard. Quoi, un roulage? Oh, on va partir en
Voilà, ah, j'ai la peur. Me coucher. Voilà, avec un avion, c'est un petit atterrissage. Ça quand même dans sa voix qu'il se retient de rigoler. Il va rigoler le petit. Il me cherchait à boire aussi sur le. Ouais. Attends, je vais te pisser dans la bouche, je reviens. Tu t'en vas ? Bonne soirée, Foxstar. Ouais. Bonne soirée. Voilà la tête. Ah, plus, Fox. Viens me voir là, à côté du sub, s'il te plaît. Le mec. Ah, parce que je vais prendre une pause de 2 minutes là. Non, pas de pause, viens. On va où ? On va où ? T'es où ? Dans ton cul. Viens, je suis au serveur maintenant. Tu viens de revenir en même temps que moi, connard ? Quoi ? Tu viens de revenir en même temps que moi ou quoi ? Kendrick ou Maréchal ? On va dire qu'il écoute. Ah, on part en patrouille sur JP. Reste sous. Sur JP carrément. Bon, enfin, à proximité de JP quoi. C'est pas très Charlie tout ça. C'est, sinon c'est un peu invasif. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais. Tu demanderas au petit la capacité le mot roulage de temps en temps. Comme si attend le moins. Prendre le temps pour gendarmerie, cible de Vigrine, demande au prochain fight. D'atterrir à l'île. Et si ça te fait marrer, tu lui feras passer l'envie de rigoler. Ah non, ça va, là, il rigole pas là. Et la barrière, messieurs. Gendarmerie, est-ce que vous avez reçu ma demande ? Il faudrait peut-être qu'on aille faire un tour un jour. Et on va bientôt bouger à Cavala avec le vieux là. Bah merci. On va voir qui est Cavala. Veuillez répéter. Bah, il a un rendez-vous. Va voir Till Klenberg. Comme pas qui c'est, tiens. Sage Corps. Ouais. Le mec, il a un nom de guerre. D'Atira, ici Ludovic Green. L'autre, il casse les couilles avec la putain de longue portée. Ouais. Merci beaucoup. Ta gueule, oh. J'aime pas les entendre, les gens là. Yel. Tu racontes toi ? Bon, on va te calmer, hein. Pourquoi ? On conseille calme-toi, garçon. Non ? Si. Quand est-ce que tu mets ta photo dans le communauté ? Mata JP, est-ce que tu m'en veux ? Ah, jamais ! Je vais avoir ta tête, moi. Ta tête de fragile, jamais. Petite tête là, fragile, okay, tête de fragile, jamais. Est-ce que tu m'entends ? J'ai jamais vu à quoi ressemblait un STMG. Gros con. La dernière fois, je suis allé au zoo, il y en avait pas. C'est une espèce en voie de disparition, à ce qui paraît. Heureusement. Non. Les bons STMG sont en voie de disparition. Les bons ? Ouais, c'est vrai que quand je te regarde, je vois qu'il reste que les mauvais. Gros con. PD, va. Bah. T'aurais pas. Pardon ? Autorep. Bon. Tu vas te calmer tout de suite, garçon. Pas bien de cliquer des autres. Ça s'appelle du vol. Oh, bah dis donc. C'est ça contre les vieilles. On va y aller en voiture à Cavala. Vas-y, je conduis. Bah ouais, là on a largement le temps d'y arriver en voiture. Tu peux pas m'éjecter de la voiture en plus maintenant. Oh, mais je peux m'arranger pour ça. Attends, je contacte quelqu'un. J'ai le bras long. La vite. Lol, bonne blague.
Ah, tu veux conduire? Ça skip. Les mecs sont j'ouvre la barrière. JP est en train de revenir. Oui. Allez, direction de caca. J'ai pas de repair kit, hein, donc fais gaffe. J'en ai un. Arrête pas, c'est solide, c'est bousin. T'as plus de F5. Y'a une GoPro derrière, chut. On est un peu coincé avec le... l'avion. M'en fous. Faut aller les voir ou pas? On est un peu parti. C'est pourquoi? Quand c'est pourquoi? L'avion. Où ça? Comment ils ont fait pour se coincer? Explique-moi comment ils ont fait pour se coincer. Je sais pas, c'est une ligne droite en plus, merde. Bon, d'accord, JP, c'est une ligne droite la piste de taxage. Ouais, il a voulu se coller juste à l'entrepôt en fait. Putain, quel con. Ah ouais. Intelligence, hein. Eh ouais, ils ont pas besoin de nous, tu prends un HMTT. Prends un HMTT, tu tapes dedans du côté de l'entrepôt. On peut faire oh, la marche arrière va tellement vite. Bien sûr. Tu peux taper dedans, dedans hein, t'inquiète, ça risque rien, ça fait pas à 130. Eh, la marche arrière, elle est à 150 km/h. Normal. Sérieux? Ouais. Je vais presque aussi vite qu'en marche avant, quoi. Ça picote la ville à ce qui paraît. Ouais là, ouais, j'ai mal. J'ai mes yeux, ils sont à 3. Moi ça va, ils étaient à 8. Alors imagine quand je vais arriver à Kavala. Et ça c'est une embuscade. Attentat. Appelle la gendarmerie. Oula. C'est la garde nationale. Néo-Shuri. Hmm? La garde nationale de Néo-Shuri. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont... ils doivent être efficaces avec leur mosine. Ah oui, t'inquiète pas. En mode rafale, hein, ça fait le café. On le modifie un peu et ça passe tout seul. Bah ouais, tu mets un silencieux dessus et puis c'est bon. Avec leur petite chemise blanche. Et un Jaguar à moitié éclopé. Oui, mais alcoolique. Oh, ça, je sais qu'il est alcoolique, t'inquiète pas. Hein. Si jamais il y a les gendarmes qui nous arrêtent, on leur dit que les freins ils étaient plus là.
ça va? Non, rien. Et PD. Pauvre con. Code gendarme au-dessus. Ah ouais? Pour lui faire leur tirer dessus? Ah non, c'est BGS on dirait. T'es noir? Ouais, c'est noir, ouais. Mais j'ai pas réussi à bien voir non plus. Combien là? Hein? Et à combien? J'étais à 160 avant. Ah bah pas 130 hein. C'est bon, je suis à 129. Par contre la voiture à l'intérieur elle est dégueulasse, finition oui. En bois et tout. Faut pas la regarder de l'intérieur. Ouais. Et faut pas trop la regarder de près non plus de l'extérieur. Et c'est dommage parce que bien travaillé franchement vraiment pu donner un beau véhicule. Tu regarderas, c'est comme la Golf de l'autre côté, elle est morte derrière. Hein. Comme lui. La Golf, les sièges passagers arrière, ils sont morts. Hein. Non, ça extérieur tout seul, sa voiture, c'est dingue. Bah Jack il est passé à poil, dis donc t'es pas obligé de te dessaper hein. Tu peux remettre tes vêtements là. Faut pas prendre vos désirs pour des réalités hein. Bah toi tu veux une photo? Non, prends merci. Une photo de lui. Ah merde, on l'a retapé. Attention. Mais il est pas bien ce pompier. Il a voulu te tuer parce qu'il savait que t'avais un rendez-vous. Alors cette zone là elle est à 50. Ouais mais ça c'est la légende. Non c'est moi qui l'ai instauré. Oula ouais. Comment ça c'est toi? C'est moi qui l'ai instauré cette zone là à 50. À mon avis je me fais marabouter là, je nous vois à l'arrêt. Non non mais moi aussi t'inquiète. J'ai ôté à la Roy. Non dis-moi. Et à l'entrée de la Wayne à l'arrêt. Ah ouais. Pas moi. T'es où? Là je passe la ville. Ah bah quand ça va partir ça va faire mal. Je vois sur un petit bord pour le moment. Je veux... Ah attends ça repart. Oula, oula. Je me suis arrêté pour le moment. Ouais bah voilà. Ok ouais c'était bizarre, tu peux y aller. Bon là je roule bien. Tu roules T'es en train là de rouler? Oui. Ah bon. Je vais me remettre à rouler là. Ok. Bon, ça va pas tarder à tous nous exclure alors. Ouais, regarde, ça commence. Yes. Sur le bas-côté et arrête-toi. On va éviter de bouger. Le moteur. Ah. Dommage, JP Tancel. Il est body. Si je me fais dégager, je ne reviens pas avant demain. Il y a tout le monde qui est en train de partir là. Ouais. Oui. Ouais. Bon là, ok. Ouais. T'es où là? T'es à l'arrêt? Oui. Ah bah fauteuil roulant jaune. Ouais, pareil. Ah, pas moi encore. Ah bon? Moi pas encore. Ah si, salut. Ah voilà. Attends. Bon par contre t'as mis sur Gaggio, on s'en bat les couilles. Hein. Ah bah ça y est. Saloperie. Putain, voilà. Mais chier quoi. Allez. Ah, allez. Putain. Putain, je chargeais l'avion. Ah ouais c'est le bordel de Jack aussi, voilà c'est bon tout le monde. Allez. Ouais, RIP JP. Oh, merci putain. Au revoir. Ouais JP ouais c'est... Putain. Oh, ça c'est vraiment... Ah, putain j'ai pas su faire de photos, putain de sa race. Une connerie totale ça. T'aurais dû en plus, t'as vu qu'on était en PLS, t'aurais dû faire la photo. Mais je savais pas atteindre l'avion en fait. Ouais, j'étais en pas, dehors de l'avion et ouais. Je pouvais rien faire. Mais c'est bizarre, on n'a pas tous été virés puisque le serveur est encore en ligne. Ouais, ça fait au fur et à mesure, joueur par joueur. Vu qu'on était 150. Ouais, tout le monde sort au fur et à mesure, regarde. Ouais, tout le monde sort. Tout le monde putain, est pas sur les canaux. Hein. Ils ont mis out le serveur comme ça d'un coup. Là.
Aucune idée. Peut-être un DDoS. Ouais, c'est sûrement un DDoS. Ça. Je vais voir juste 43 screens. Ouais, tout le monde qui saute au fur et à mesure là. Ça a rien de rentrer maintenant là. Ah bah non. Ah, c'est bon avec sa mère. Attends, je vais voir le Twin en face. J'adore Twin. Ce serveur. Hein. Oh, ouais, moi aussi. Quand, ah, le, ça, quand fait ça fait 45 minutes que je suis dans la file, le moment où il reste une personne, ah, le serveur crache. Ah. T'as pas de cul toi. Ça c'est ah Gustavo, ouais. Ça. Ça c'est du grand Gustavo ça. T'as pas loupé grand chose hein, de toute façon. Ouais, en même temps, ouais, j'aurais bien aimé qu'il soit là avant aussi. On va me morfler. J'aurais piqué les fesses un peu. Oh, c'est quoi ce rire en ultrason là que tu nous fais là? Tu fais du morse quand tu rigoles quoi. Morfler. Ouais, tu fais du morfle. Ah, vous vous foutez de ma gueule, c'est ça? Je sais pas de quoi tu parles. Vous allez morfler. Voyez-moi bien. Ça y est, j'ai assez morflé. Moi. Je veux pas trop vous faire morfler parce qu'après Jack il me met dans son carnet rouge et j'aime pas ça. Quelqu'un me reçoit.
en jeu. Jack ? Oui ? Tu étais dans le sub, t'es à côté ou pas ? Là, où je me... là où je me suis réveillé, non, il est pas là. Non, il est un petit peu plus loin. Ok. Mais il est... il est... Je crois qu'il est verrouillé de mémoire. T'es où là, du coup, Jack ? À la Wellnit. Ah bon, ah, c'est bon, tu peux sortir un véhicule ? Ouais, ouais, c'est ce que je suis parti faire, ouais. Ok, tu en chemin, tu checkeras si le Suburban il est verrouillé, s'il te plaît. Ouais, pas de soucis. Sinon, merci. Tu m'appelles, je le délète. Je te remets dans le TFR. Ok. T'es tranquille, frère. D'un... Mais il est où le Suburban ?
Bonjour. Monsieur Odiel. Oui. Vous allez bien? Oui, vous-même. Oh, super, ça va super. Quelle belle tenue. Vous m'entendez ou? Ouais, je vous ai entendu, oui. Super, super. Bon, du coup, c'est juste pour la deuxième partie de l'acte notarié, hein, quoi. Le deuxième et dernier paiement. Ouais, le deuxième reçu, ouais. Ça. Ok. Bon, du coup, on passe à l'action ou... Bah, si tout le monde est là, oui. Ouais. Bah, oui, il est là. Eh ben, pile poil. Ça arrive tout ça en même temps, en fait. Bah, avec la petite tempête imprévue que je me suis pris dans les dents, j'avais bien peur de pas arriver à l'heure, mais c'est bon. Non, ça va. Pile poil à l'heure, tout le monde. Ouais, tout le monde, parfait. Bah, on va passer à l'essentiel, okay. Hein, messieurs. On va s'asseoir ou on fait ça debout? Bon, écoutez, on peut faire ça comme vous voulez. Comme vous voulez, vous. Hein. Moi, plus vite, ça m'arrange. De toute façon, là, il n'y a que le reçu à faire, comme quoi il y a bien le dernier versement. Voilà. Donc, je vous le prépare vite fait et vous donnerai l'argent. Alors, deux secondes. Hein. De paiement, donc deuxième échéance. Ok, vous me recevez là? Alors, le 30 janvier 2023, c'est bien ça. Deuxième versement concernant l'acte notarié de vente de l'entreprise Altinox. Versement de monsieur Tilklenberg à monsieur Mimidou du coin, la somme de 10 millions d'euros. Ouais, si voilà. Vous pouvez rajouter que dès lors je suis actionnaire majoritaire de l'entreprise. Donc. Alors, donc plutôt à ce jour, monsieur Tilklenberg est donc majoritaire à 100%, hein, c'est bien ça, hein. Ça 100%. Ouais. De l'entreprise Altinox à faire valoir à qui de droit. Bah ça c'est le document que vous joindrez avec si jamais on vous demande, que vous joindrez avec l'acte de vente notarié, ouais, ouais. Que vous aviez déjà. Voilà. Alors, je vous envoie. Alors, poum. Monsieur Ducoin, vous avez bien reçu les 10 millions, c'est ça? Pas encore. Alors, je vous les donne d'abord, monsieur O'Neill. Ouais, ça serait mieux que je puisse vous éditer la quittance qu'une fois que ce soit vraiment fait. Vous venez, monsieur Ducoin? Ah ouais, je me suis. Ah, c'est toujours aussi long de retirer de l'argent. Ah bah c'est une autre somme. Le distributeur, il veut pas donner de l'argent. Oh, à ce point. Ah ouais, hein. C'est qu'il veut pas nous donner la somme d'un coup. Il nous emmerde, ce distributeur. Il a du mal à lâcher les billets. Alors ça va. Hop, du coup, monsieur O'Neill, je vous donne l'argent. Oui, que je remets à monsieur Ducoin, qui confirmera que je lui ai bien remis devant vous, et je vous donnerai votre quittance. Hop. Voilà. Voilà. Je confirme que j'ai bien reçu de votre part, je les donne à monsieur Ducoin.
heureusement que la tempête imprévue n'est pas arrivée à ce moment-là. Hein. Ça aurait fait mal au portefeuille. Hein. Parlez pas de malheur. Je ne remets pas la somme une deuxième fois, moi. Voilà, vous avez bien reçu, monsieur Mimidou, du coin. Ok, donc je vous ai dit. Reçu. Alors, hop. Il y avait une conversation spéciale pour ça, hein, je sais pas si. Ouais, on en avait une hein, déjà ensemble, hein, c'est ça. Ouais, vous voulez que je l'appelle ou. Alors, je vais vous le renvoyer à tous les deux. Ça devrait aller un peu plus vite que la dernière fois, je me suis entraîné. T'es un expert maintenant. Ah ben, faut bien. Il n'y en a pas tous les jours des ventes d'entreprise, hein, je parle. Enfin, je crois. Non, c'est pas souvent. Mais bon, à force, on commence à trouver les techniques plutôt qui vont bien. Des faillites ou des fermetures. Oui, ou des propriétaires qui achètent des entreprises, qui ne la font pas tourner et elles partent à l'abandon, comme par exemple la Starfish. Peu dommage quoi. Ouais. La Prisma elle est en train de faire pareil pour le moment. Ouais, bah c'est des choses. C'est triste mais ça arrive. Alors le document est là. Hop. Alors que je vous envoie ça. Tac. Tac. Alors normalement. Là. Là. Ah, c'est parfait, ça, un rendez-vous pile poil. Hein. Tout le monde à l'heure. Tout le monde à l'heure, ouais. Malgré la petite tempête, le petit imprévu. Hop là, ok, c'est bon. Je vous l'envoie. Ah, bah oui. Ben, sans la tempête, j'aurais été un peu en avance, parce que c'est toujours à mon habitude d'arriver un peu en avance, mais là... Moi, j'étais là aussi, mais bonsoir à vous. Heureusement que j'avais pas eu l'envie de venir en hélicoptère, parce qu'à mon avis, ça aurait mal fini pour moi. Moi, au moment de la tempête imprévue, j'étais en train de faire la file au guichet pour rejoindre l'île, donc ça m'a arrangé à peu près. Donc... Ah, ben, voilà, moi, ça a été... Alors, que je retrouve la liste d'emails... Où nous étions dessus. Il me semblait que je l'avais envoyé à vos deux noms en même temps, non? J'avais pas envoyé des mails séparés. Non, c'était aux deux. Vous voulez que je fasse un update de la conversation? Oui, parce que là, c'est bizarrement, je retrouve la conversation que nous avions ensemble, monsieur. Hop, alors, tac. Vraiment avec un spoiler et tout, juste pour un up. Ah, parce que j'ai du mal à le... Ah si, autant pour moi, ça y est, j'ai retrouvé. C'est bon. Je vous ai fait faire pour rien. Ok. Ah, je vais supprimer, hein. Ah bah non, c'est pas... Ah non, c'est bon. Donc, je vous le rajoute sur... Hop, c'est là... Non, je veux pas changer celui-là. Je veux rajouter. Qu'est-ce qu'il me fait? Il est fou, lui. Ouais. Vous imaginez, erreur... Non, mais j'ai des copies, rassurez-vous. Voilà. Ok, ça y est, c'est bon. Voilà, je vous invite tous les deux à vérifier que vous avez bien en visu le reçu que vous pouvez récupérer. Normalement, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, messieurs. Ouais, je regarde, matériel. Moi, j'ai rien. Actualiser la conversation. Ouais, faites actualiser, oui.
Là, vous avez l'acte de vente, vous avez les deux reçus, dont le dernier reçu qui précise Ah, ok, bien ouais, c'est que. dans le truc, d'accord. Oui, c'est plus simple pour vous. Ce sera plus facile à Ouais, retrouver. ouais, ouais. Quoique, vous pouvez imprimer une copie hein, si vous avez besoin pour la mettre ailleurs. Bon, ben voilà. Super, super. Vas-y, parfait. Ah ben, messieurs, hein, si vous avez plus besoin de moi, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Également, et merci à vous. Également, à Ben, de bientôt. rien. Allez, à bientôt, au revoir. À bientôt, mais pas trop bientôt, j'espère, hein, si c'est pour un acte de vente. Je ne savais pas si vous rachetez encore une autre entreprise. Ouais, ça dépend. Enfin bon, allez. À Allez, bientôt, au moi aussi, revoir. Bill. Oh, moi aussi, je vous laisse. Ça va, à plus, hein. À bientôt. Alors. Rester là. Je vais prendre la fin de service là parce que il est presque 22h30. Ça pique les yeux. J'ai la ranger, je vais la ranger à l'héliport. Oula, oula, ça pique les yeux, comment que c'est mortel. Monsieur, attrapez la l'Audi qui est là-bas avec un véhicule Brinks, ils viennent de tuer l'agent là. Ouais, mais là, le souci, c'est que je suis tout seul, je pourrais pas, je peux rester là Non, pour. mais y a toute la Brinks qui est par là-bas. Dans quoi je me suis foutu? Là, non, je peux pas aller. Genre? De la restyle? Du tout. Du tout. Ok, merci. J'ai pas vu les bagnoles.
C'est vous qui étiez avec votre collègue là-bas? Ouais, c'est bon, ils sont à la station de service là, ça va pas tarder à tirer. Hein. Bon bah. Oh purée. Bon allez, moi je vais me coucher. Gendarmerie pour Brix, comment ça va? Gendarmerie sur écoute. Gendarmerie, bonjour, on a un homme actuellement armé en fuite direction Helipad de Caval, derrière les montagnes. On est derrière lui, on a ouvert le feu, il a abattu un de nos agents. On a un homme à terre, il continue à faire feu sur moi. C'est reçu, il est dans quel véhicule, monsieur? Il est à pied. Il est à pied, d'accord. Habillé en blanc. Donc là je le vois, il est en train de me tirer dessus, sac noir. Vous êtes l'hélicoptère, c'est ça monsieur? Affirmatif. Affirmatif, l'hélicoptère est à nous. Il est abattu.
Merci messieurs, je vous dis bonne nuit, moi je suis trop naze là, je vais me coucher, à demain, bonne fin de soirée à tous.